Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter donc du sujet d'actualité qui concerne les relations entre le Maroc et Israël concernant les déclarations qui ont été faites par Benjamin Netanyahou au sujet du désert subcontinental. Donc il reconnaît la suprématie du Maroc et a invité les personnes qui soutiennent Israël à en faire de même. Nous savons que cela avait été déjà sujet à polémique en début d'année et que l'Algérie, en tout cas une partie d'un des fronts que j'ai cité lors de ce début de vidéo, est en opposition et estime que le Maroc n'a pas de privilège sur cette partie du désert. Aussi, les tensions risquant de augmenter entre ces pays-là, je vous propose un tirage rapide afin d'y voir un peu plus clair. C'est vrai que c'est une enquête différente, mais ce sujet me perturbe, voire m'inquiète beaucoup. Ici, donc, j'ai le 4 d'épée. On reste sur les relations entre l'Algérie, le Maroc et Israël. J'espère que tout le monde va bien et que ce sujet vous intéressera également. C'est vrai que j'ai hésité longtemps à le faire parce que ça peut être très polémique, mais bon, c'est l'actualité qui le souhaite, c'est pas moi qui décide des choses. Et je pense que c'est un sujet peut-être dont on n'a pas vraiment conscience ici en France, mais qui sur le plan international peut avoir des répercussions encore une fois. Je sais que le président algérien ou l'un de ses ministres était au Japon récemment. Donc des relations se précisent peut-être avec le Japon. Mais que les relations franco-algériennes ont tendance à se tendre depuis que notre président français a demandé un soutien sans forcément aller jusqu'au bout des engagements qu'il avait promis à ces personnes.
J'essaie d'être le plus neutre possible en disant tout ça, bien entendu. Je ne suis pas politologue et je vous invite à vous renseigner sur les chaînes qui traitent de ce sujet. Donc ici, nous avons le 4 d'épée qui indique à l'endroit une période de repos et d'apaisement. Donc c'est bien, c'est plutôt rassurant. Déjà, on a eu une période d'accalmie. Cependant, nous avons la carte du chariot qui arrive immédiatement après. Et bon, le chariot peut indiquer le déplacement, évidemment, puisque c'est un moyen de transport. Dans ce cas précis, à l'envers, on nous parle d'un manque de volonté et puis peut-être aussi d'un mauvais choix, d'un échec et d'un tiraillement. Donc, il y a eu des hésitations, hein, on voit, mais ça n'a pas suffi. Suivi du 6 de bâton. Le 6 de bâton à l'endroit qui indique la victoire et les honneurs. Donc, on peut considérer ici que c'est ce qui a été rendu au Maroc concernant cette partie du désert subcontinental. Donc, effectivement, ici, le 6 de bâton qui arrive donc à l'endroit indique une vraie reconnaissance, une légitimité sur les choses. En termes de travail, on aurait pu parler d'une promotion, par exemple. Ici, nous avons le 10 de bâton qui suit et qui, lui, arrive à l'envers. On nous parle donc de nouveau d'une période de prise de recul et de partage, pardon, des enjeux. Oui, du partage des enjeux. On nous parle aussi d'un moment où il va falloir poser des limites. Donc, les relations sont ce qu'elles sont, on les connaît, mais par contre, quelque chose va devoir marquer un stop parce que je crois qu'on dépasse ce qui est possible dans la négociation, semble-t-il. C'est ce qu'on nous indique en tout cas dans les cartes. Avec le 8 de denier, nous sommes sur une relation concentrée sur la discipline, sur quelque chose de l'ordre de l'expertise professionnelle. On peut nous parler ici d'hommes politiques compétents en la matière qui se sont retrouvés, comme on disait ici, dans des pourparlers au sujet de tout ça. Alors, on va en apprendre un petit peu plus avec le 4 de bâton qui lui arrive à l'endroit et qui nous confirme qu'il y a eu une alliance qui a été scellée. La reine de coupe qui nous arrive, elle, donc à l'envers. Cette reine de coupe, on pourrait l'interpréter de plusieurs façons, notamment d'un terme sentimental. Ici, à l'envers, on nous parlerait peut-être de l'ordre d'émotions fortes, d'émotions lourdes, d'émotions qui écrasent. Donc, on est vraiment, là, ça va toucher à quelque chose qui va mettre les situations en péril, notamment par rapport à des convictions, on va dire, de l'ordre du cœur, puisque c'est des convictions ancestrales pour certaines personnes. On nous parle aussi ici, donc, de manipulation. Le 5 de bâton ici aussi est à l'envers, hein. 5 de bâton renversé nous indique quelque chose qui pourrait nous faire nous rassurer, en tout cas, qui pourrait nous parler d'une espèce de cohésion, une solution qui pourrait être trouvée, quelque chose d'apaisant. C'est plutôt positif et c'est plutôt rassurant. Voilà, on pourrait penser aussi, pourquoi pas, à des tensions qui s'apaisent vraiment. Voilà, c'est surtout ça, une vraie dénégociation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous avons ensuite le 7 de denier, 7 de denier renversé. 7 de denier renversé qui est ici représenté par la colombe qui porte de multiples symboles que j'avais déjà eu dans un tirage et symboles un petit peu ésotériques. Donc, cette colombe renversée nous parle de passage à l'action et d'une mauvaise décision, d'un mauvais choix, d'un mauvais investissement, d'une mauvaise prise de parole. Donc là, ça se complique, malheureusement. Le 6 d'épée. 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, ici, moi j'aime beaucoup les illustrations de ces cartes. Je pense que j'essaierai peut-être de vous faire une présentation sur Instagram si ça vous intéresse. Donc le 6 d'épée ici est représenté par une femme. Une femme qui arrive donc à l'envers et qui nous annonce un retard. Un manque de recul sur une situation et aussi un refus d'obtempérer. Donc on voit que les situations ici s'étaient apaisées par le passé, on avait obtenu quelque chose de l'ordre de la temporisation, malheureusement le conflit est sous-jacent et est toujours là. Donc le 9 de denier, 9 de denier renversé, ici nous dit que nous avons encore une dépendance d'un pays envers un autre de l'ordre des finances. Et c'est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Donc on peut nous parler du soutien financier que peut recevoir le Maroc de la part d'Israël. On sait aussi qu'il y a déjà des vols militaires qui sont autorisés au-dessus du Sahara subcontinental aux frontières algériennes
Du coup, ça posait beaucoup de problèmes aux Algériens. Et ils ont un peu peur et sont méfiants par rapport à cette situation. Donc, pour en revenir à ce tirage, ici, avec le 9 de deniers renversés, on nous dit clairement qu'il y a une situation financière de dépendance qui un peu oblige à mépriser les autres pays autour qui pouvaient être des alliés par le passé. D'ailleurs, est remis en cause avec ses déclarations le soutien du Maroc envers la Palestine, puisque aujourd'hui, le fait qu'Israël se rallie à la cause marocaine crée une tension et une polémique sur les réelles ambitions du Maroc vis-à-vis de la Palestine. Alors, je vous demande de rester très respectueux dans les commentaires. Je ne fais pas l'actualité et je ne donne absolument pas mon avis ici. Je vous demande de vous renseigner si vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup d'articles disponibles sur tout type de presse ou support, ce que vous voulez en fonction de vos partis politiques et convictions. Voilà, moi, je ne suis absolument pas là pour donner mon avis ou faire de la propagande sur la politique en France. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je parle d'un sujet, en France et à l'étranger d'ailleurs, je parle d'un sujet qui me touche par contre parce qu'il pourrait avoir des répercussions sur les gens qui sont aussi concernés directement parce qu'ils ont des familles qui vivent dans ces pays-là. Et en France, on connaît tous, ou on est tous confrontés à des personnes qui sont soit binationaux, soit qui sont issues de l'immigration et qui peuvent être intéressées par ces sujets. En aucun cas, je ne favorise la haine ou je n'encourage la montée de la colère entre des peuples. Moi, je suis une vraie pacifiste là-dessus et je prônerai toujours des messages de paix. C'est tout à fait normal pour moi. Excusez-moi pour cette petite coupure, mais je tenais vraiment à le préciser parce que certaines personnes ne sont pas forcément toujours bien conscientes de l'étendue des dégâts que peuvent faire certains commentaires. Donc, je vous prie vraiment de rester respectueux et je serai obligée de supprimer les commentaires qui dépasseront la politesse ou la bienséance sur ma chaîne. Ici, donc, la papesse, pour terminer, nous représente le mystère et nous indique avec sa situation à l'endroit qu'on est sur quand même une réflexion. Pour l'instant, on est en gestation et on est sur une prise de recul. Je vais tirer une dernière carte que je considérerais comme la coupe pour la relation Maroc-Algérie-Israël, ou plutôt la relation qui n'est pas tripartite. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment Maroc-Israël contre certains Algériens qui refusent de reconnaître le Sahara comme marocain. Le 2 de coupe renversé. Alors, décidément, on voit qu'il y a quand même beaucoup de coupes qui revient aussi dans ce jeu. C'est intéressant, puisqu'on sait que les coupes, on est sur de l'émotionnel, hein, comme je le dis souvent, et ça nous parle aussi des tensions que ça pourrait engendrer. Ici, le 2 qui arrive à l'envers a un côté atténuant. Atténuant à quoi? Tout simplement, à la mésentente. Alors du coup, on nous parle ici, pas atténuant à la mésentente, qui crée la mésentente, et de l'insatisfaction. On nous parle de relations rompues, on nous parle de peine de cœur, mais ici, on nous parle de trahison, clairement. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous apporter comme information. Ah, je vous prie de m'excuser, les sirènes qui passent à ce moment précis. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe. Je vous laisse me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été attentif à ce tirage un peu inhabituel, mais que je vous proposerai de temps en temps sur l'actualité, sur des faits marquants que j'ai pu noter grâce au trend Google ou à Twitter ou autres réseaux. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.